Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous retrouver sur le www.radio.jena.tg. Comme d'habitude, jeudi à 11h, on se retrouve autour de ce plateau pour évoquer une question de droit dans la cité, que s'agisse des droits humains ou des droits des personnes ou des droits à la justice. Nous en parlons dans cette émission. Je suis Elie Atipo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question des personnes handicapées, leur développement et la discrimination dont ils font face au sein de la société au Togo et ailleurs. Aujourd'hui, pour en parler, Akako Noumado Gracien, président du CADEF, entendez par là, Cercle d'Action pour le Développement des Personnes Handicapées. Il est avec nous déjà en studio. Bonjour, président. Bonjour, mon frère. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous aussi. Alors, vous êtes président du CADEF. Qu'est-ce qu'on peut entendre par CADEF, même si on a déjà donné la définition? Qu'est-ce que vous faites au CADEF? Alors, merci beaucoup, Elie. CADEF, c'est une association de personnes handicapées. Initialement qui œuvre dans la préfecture d'Aboyoubé, mais depuis notre dernière assemblée générale, eh bien, nous voulons aussi intervenir dans la préfecture du Golfe, dans la préfecture de Zioi et de la V. Et nous œuvrons pour la promotion et la protection des droits des personnes handicapées sur tous les plans. Voilà un peu ce que CADEF. Alors, aujourd'hui, nous allons évoquer les personnes handicapées, le développement et puis la discrimination. Personnes handicapées, véritablement, comment est-ce qu'on peut définir ces personnes? Qui sont ces personnes qui sont des personnes handicapées? Alors, pour dire d'une personne qu'elle est personne handicapée, il faut réunir trois conditions. La première, c'est la déficience de cette personne-là. Il faut que la personne puisse avoir des problèmes de mobilité, donc handicap physique, que ce soit au niveau des membres supérieurs comme inférieurs, ou que la personne puisse avoir des problèmes sensoriels, donc n'entend pas, ou ne voit pas, ou ne parle pas. Il faut que cette personne puisse avoir une taille qui n'est pas normalisée, moins d'un mètre par exemple, donc petite taille, ou que cette personne soit victime du manque de la mélanine au niveau de sa peau, donc c'est des personnes atteintes d'albinisme, etc. Ou que la personne puisse avoir en tout cas une déficience qui est là et qui est palpable, visible, ou du moins qui a de l'impact sur sa vie. La deuxième chose, c'est le caractère durable de la déficience. Si par exemple vous avez des maux d'yeux, monsieur Eli, c'est des maux d'yeux. Après un traitement, vous voyez bien, vous n'êtes pas une personne handicapée. C'est ça. Donc il faut que la déficience soit durable. J'ai une fracture, donc je n'arrive pas à marcher convenablement. Et bien, je vais à l'hôpital, on me fait les soins qu'il faut pour un temps. J'utilise des béquilles peut-être pour 2-3 mois. Et bien, je ne suis pas une personne handicapée. Ma déficience n'est pas durable. Alors, quand la déficience, elle est durable, eh bien, on peut parler d'une personne handicapée. Troisième élément, c'est l'interaction avec son environnement. Et quand cette personne a une déficience et que cette déficience est durable et que l'environnement n'est pas forcément accessible à cette personne, eh bien cette personne est appelée une personne handicapée. Voilà les trois conditions. Alors, personne handicapée au sein de nos sociétés, et surtout au Togo, nous avons grandi en étant tout petit, ils font systématiquement objet de discrimination. Discrimination, comment est-ce qu'on peut le comprendre en ce sens pour vous? Alors, le mot discrimination vient du latin, naturellement, du mot discriminis, qui signifie séparation. Alors, action de distinguer, de traiter, de considérer ou de sélectionner des entités selon des critères. Mais là, ne pose pas problème. La discrimination qui pose problème, c'est quand
on fait la séparation justement d'un groupe humain et des autres en le traitant autrement, souvent mal. C'est là le sens de la discrimination dont nous voulons parler au cours de cette émission. Un traitement séparé, mais moins humain. Oui. Voilà. C'est le fait de les considérer comme étant des sous-hommes, parfois. Oui, exactement. Voilà. De soustraire ou d'extraire la capacité humaine des personnes handicapées. Et justement, dans la société togolaise ou ailleurs d'ailleurs, quelles sont les discriminations auxquelles ces personnes vivant avec un handicap font souvent face? Oui, ces discriminations sont multiples. Je voudrais d'abord dire que la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en son article 3, qui parle des principes généraux, n'est-ce pas? Et ces principes, en article 3, ces principes généraux plutôt, met la discrimination comme un facteur entravant la jouissance des droits par les personnes handicapées. Et l'article 5 de la Convention est consacré justement à ça, égalité et non-discrimination. Cette discrimination s'observe beaucoup dans nos sociétés africaines et au Togo. Le Togo n'est pas du reste. D'abord, les personnes handicapées font objet de moquerie. Et les terminologies avec lesquelles on les appelle dans nos langues l'expriment déjà. Ces personnes sont souvent mises à l'écart. Vous avez des maisons où il y a des personnes handicapées qui y vivent, mais vous ne les trouvez jamais parce qu'on leur dit d'être derrière. Et ces personnes sont cachées. Parce que elles font la honte de la famille. C'est une concession traditionnelle. Ces personnes n'ont pas accès aux droits comme toute autre personne. Et au droit à la santé, par exemple. Au droit à l'éducation, par exemple. Parfois au droit à l'acte de naissance, à une personnalité juridique. Parce que vous êtes une personne handicapée, mais la famille ne trouve pas nécessaire de vous faire un acte de naissance. C'est juste autour. Oui, c'est des réalités. Et alors, il y en a encore. Hein, on vient de faire quelques tours. On a trouvé, on a dit aux parents, il faut leur faire l'acte de naissance. C'est aussi des hommes. Vous voyez, ces personnes font objet d'autres formes de discrimination. Quand je parle de l'école, notre école jusqu'à présent, elle n'est pas inclusive. Quand vous êtes une personne handicapée visuelle, vous êtes né, je ne sais pas, quelque part au Togo, vous n'avez pas accès à l'éducation parce que l'école n'est pas adaptée pour vous. Et il faut aller chercher une école spécialisée. Vous voyez? Donc c'est une forme de discrimination parce que c'est du fait de votre handicap que vous n'avez pas accès, tout comme les autres. Vous voyez? Et quand les personnes handicapées se forcent à aller à l'école, parfois, elles ne trouvent pas d'emploi du fait de leur handicap. Quand elles présentent leur dossier et tout, c'est très bien. Quand le demandeur voit le dossier, il est content, il dit, mais c'est intéressant, il faut m'appeler telle personne. Quand on l'appelle, la personne se présente. C'est d'abord la secrétaire qui s'étonne. C'est vous qu'on appelle. Il voudrait avoir la précision. Est-ce que c'est vraiment gracieux? Voilà. Et on dit d'accord, ok, attendez. Et puis on va voir le directeur pour lui dire, ah mais gracieux est là, mais c'est une personne handicapée. Il dit, ah bon, alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Si le DG est très gentil avec vous, il viendra vous voir pour dire, mais Gracien, tu sais, ce matin, je suis très occupé, vous nous excusez beaucoup, on va vous rappeler après. Et puis c'est fini. Mais c'est du fait que vous êtes une personne handicapée. Et cette discrimination, c'est par rapport
à une conception que la personne handicapée n'a pas les capacités. Et généralement, je me souviens, quand on était enfant, on nous disait, mais toi, tu es une personne handicapée, tu seras prise en charge toute ta vie. Donc, on nous le dit très tôt. Comme si vous étiez une charge pour la voilà, vie. Voilà, tu es une charge. C'est une conception sociale, médicale du handicap. C'est-à-dire que le handicap est une charge. Et donc, c'est un problème à résoudre. Et donc, vous devenez, on confond votre handicap à votre personnalité. Et donc, vous devenez un problème à résoudre aux gens. Et donc, on vous dit, mais ne vous gênez pas, on va s'occuper de vous. Voilà. Et donc, c'est une discrimination qui n'arrange personne, qui ne permet pas à notre pays de se développer d'une manière harmonieuse comme le veulent les autorités. Parce que chaque citoyen compte pour le développement. Et donc, nous devons faire l'effort pour que nous reconnaissons à la personne handicapée sa dignité humaine. Et une fois que la dignité est reconnue, que cette personne puisse jouir des droits humains comme tout autre homme. Et cela appelle quoi ? Pour qu'il n'y ait pas de discrimination ? Cela appelle à des aménagements raisonnables, à des accessibilités. Et ça, c'est le travail de tous. Parce que, en le faisant, nous créons l'environnement pour une société harmonieuse. Nous créons l'environnement pour l'inclusion. Nous créons l'environnement pour un développement durable. Voilà ce que je peux dire par rapport aux différents scénarios de discrimination qu'on peut observer dans la société. Ok, merci. Vous êtes bien sûr sur le www.radio.djena.tg et nous sommes dans cette émission L'heure du droit. Nous marquons juste une petite pause et nous vous retrouvons. Nous nous retrouvons dans ce studio de Radio Djena pour poursuivre notre émission portant sur les personnes handicapées, les discriminations dont il est question dans la société, comment y remédier, quelle place pour ces personnes dans le développement de notre cher pays, le Togo. Nous sommes en studio avec Akako Noumado Gracien, président du CADEF, SEC d'action pour le développement des personnes handicapées. Et nous sommes finalement rejoints par son secrétaire général Abloka Pouedewa. Alors, président Gracien, je vous retrouve aujourd'hui. Alors, de toutes ces discriminations, ce qui vous a dit, ce sont vos droits fondamentaux qui sont bafoués. Exactement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut mettre dans les droits fondamentaux des personnes vivant avec un handicap? Merci beaucoup. Je crois que la convention relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par le Togo, notamment le 1er mars 2011, a réglé cette question-là. Mais il nous reste à faire un travail de sensibilisation. Les questions de discrimination, oui, doivent aussi être réglées par des lois.
les lois au niveau du pays, et pour que les auteurs de discrimination fondées sur le handicap soient punis. Et parce que vous savez, c'est des lois qui permettent aux gens d'être un peu plus réglo, si je le dis comme ça. Donc, d'abord, il faut que nous ayons un cadre juridique qui protège les personnes handicapées contre la discrimination. Ensuite, il faut sensibiliser. Et ça, on ne le fera pas assez parce que non seulement sensibiliser la population, mais aussi les personnes handicapées elles-mêmes. Parce que quand vous êtes à la maison et que vous êtes une personne handicapée, vous avez la capacité de faire votre lessive, mais on vous dit non, mais vous restez là. C'est aussi une discrimination. Parce qu'on estime que vous n'avez pas la capacité de faire la lessive. Et pourtant, vous avez, par exemple, vos deux mains. Mais pourquoi ne pas faire la lessive? Ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à parler que vous ne pouvez pas faire la lessive. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas que vous ne pouvez pas faire la lessive. Donc, c'est aussi des formes de discrimination qui quittent déjà notre maison. Et on vous dit, vous ne pouvez pas. Et par fini, mais c'est que vous devenez, je ne sais pas, on vous extrait de la société, vous appartenez à la société, mais vous n'y êtes pas. Et c'est ça. Maintenant, quand nous quittons la cellule familiale, nous avons dans nos quartiers, dans nos villages, quel est le regard que nous portons? Est-ce que nous pensons que la personne handicapée qui est dans cette maison aussi peut contribuer au développement de notre quartier? Non. Et qu'est-ce que nous faisons pour l'accueillir? Quand par moment, il s'efforce. Parce que son handicap, déjà, effectivement, quand il n'y a pas de l'accessibilité, quand je parle de l'accessibilité, ce n'est pas seulement physique. Parce que quand nous parlons de l'accessibilité, les gens pensent seulement aux rampes. Non. C'est au-delà de ça. L'accessibilité linguistique, par exemple. La personne ne parle pas. Quand nous parlons de l'accès à l'éducation, par exemple, l'accès à la formation professionnelle, par exemple, quand nous donnons cet accès-là, est-ce que nous le faisons vraiment? Il y a un exemple tout récent où une religieuse est partie voir une maîtresse d'atelier pour lui dire, mais je viendrai inscrire une fille pour apprendre le métier, c'est, il me semble, la couture, oui. Et la religieuse a payé tout. Je prends en charge votre nouvel apprenti. Je paye le contrat entre griffes. Oui. Et le jour où la religieuse amène la fille, la patronne a dit non, ce n'est pas possible. Ah oui, c'est comme elle est source de malédiction, qu'elle soit dans son atelier. Donc vous voyez, déjà, est-ce que notre environnement là est déjà favorable? Donc c'est une discrimination fondée sur le handicap. Est-ce qu'elle ne peut pas apprendre le métier vraiment? Il faut que nous acceptons, vous voyez. Donc au-delà des lois, au-delà que nous puissions dire oui, l'État doit, oui. Mais qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes dans nos maisons, dans nos familles, dans nos villages, quartiers? Avant que l'État a déjà le minimum que l'État a comme loi, mais déjà si on arrive à les respecter, je crois qu'on changerait beaucoup de choses. Voilà. Alors, pour vous, Abloka, vous qui êtes secrétaire général, le président a évoqué tout de suite une question de sensibilisation, mais aussi d'éducation. Comment éduquer les enfants à la base pour changer demain la société afin que les personnes handicapées soient prises en compte dans tous les programmes de développement? Bon, pour soutenir ce que le président dit, la sensibilisation est la base de toute lutte contre la discrimination. Et cela doit commencer par la cellule familiale, parce que la personne handicapée est toutefois dans un milieu familial avant d'être social. Donc, faut éduquer
la famille d'abord. La famille doit accepter la personne. Accepter la personne. Et après, dans les milieux scolaires aussi, il faut commencer à inscrire ses droits dans les leçons de ECM. Pour que déjà, dans les classes, les enfants puissent commencer par inclure cette notion de droit des personnes handicapées. Après tout, la société doit accepter que lorsqu'il y a des activités culturelles, des activités, c'est pas politiques, sociales, au sein de la communauté, la personne handicapée aussi puisse parler. Voilà. Alors justement, comment est-ce qu'on doit se comporter vis-à-vis de ces personnes qui vivent avec un handicap au sein de la société? Tout d'abord, il faut les respecter. Ils ont droit au respect. Ils ont droit à la dignité. Considérer leur dignité. Essayer de les aider. De les aider. De les aider aussi quand ils en ont besoin. Oui, justement, président, je sais que vous avez envie de rebondir. Oui, effectivement, Ali. Mais comment les prendre? Tout comme toute autre personne, tout simplement. Prenez les personnes handicapées qui sont dans vos familles, dans votre quartier, etc., comme toute autre personne. Ne voyez pas son handicap. Prenez cette personne d'une manière ordinaire. Et vous verrez que vous serez surpris agréablement, bien sûr, des capacités de cette personne. Ne décidez pas à sa place. Il ne faut pas l'infantiliser. C'est souvent à des situations comme ça auxquelles on fait face. Prenez cette personne, tout comme tout autre, et créez-lui les conditions, justement. Quand c'est une personne handicapée visuelle, par exemple, aujourd'hui, la technologie a évolué. Soit, vous les voyez, ils sont sur leur smartphone. Hein. Bien sûr, parce que les fabricants mettent l'accessibilité également. Exactement. Donc, quand vous lui donnez ça, vous allez voir, ou avec son ordinateur, avec un programme spécifique, il fait tout, il peut vous écrire des lettres, il peut tout faire, en réalité. Quand c'est une personne sourde et malentendante, quand vous écrivez, elle lit. Vous voyez? Et donc, il n'y a pas de problème majeur. C'est pourquoi nous disons, il faut les prendre comme tout autre, mais en créant des conditions d'accès. Et c'est le plus important. Quand les conditions d'accès sont réunies, eh bien, ces personnes sont comme tout autre. Et c'est souvent quand ces conditions manquent que nous voyons leur handicap. Et par exemple, si pour arriver chez vous ici, il y a des escaliers, alors c'est sûr que j'aurai des difficultés à venir chez vous. Et c'est en ce moment que mon handicap, je ressens mon handicap. Mais dès lors que j'arrive simplement, et vous et moi, personne n'a souci qu'on a affaire à une personne handicapée. Chacun va librement à ses occupations. C'est exactement ça. Et c'est ce que nous devons à tous les niveaux. Au niveau familial, au niveau local, au niveau macro, donc au niveau pays et autres, en faisant les choses, tenir contre des autres. Généralement, l'homme, quand il fait des choses, il tient compte de lui. Oui. L'homme est très orgueilleux. Et j'ai donné l'exemple. Et je dis, les personnes non handicapées ne le font pas à dessein. C'est comme ça l'homme. Donc nous devons attirer leur attention sur le fait que nous sommes là aussi. Mm-hmm. C'est pourquoi les personnes handicapées ne doivent pas se cacher. Ils doivent. Henri Lopez dit ceci, hein, que quand vous acceptez votre laideur et que vous l'assumez avec fierté, vous devenez beau. Vous n'êtes plus laid. Voilà. Alors il faut que d'abord les personnes handicapées acceptent leur handicap. Et il assume. Mais vous êtes une personne handicapée. Pour rien au monde, ça ne, les dons ne vont pas changer.
Mais accepter, c'est vrai, c'est douloureux. Hein, surtout si on n'est pas né dans cette situation-là. On a grandi, on atteint un certain niveau, et puis par accident, par maladie, on devient une personne handicapée. En tout cas, chers amis, ce n'est pas simple. En tout cas, quelqu'un qui est valide en ce moment, dans deux minutes, peut devenir une personne handicapée. Oui, pourquoi pas. Avec un accident, c'est possible. Toutes les personnes sont des personnes handicapées potentielles. Parce que par maladie, par accident ou par de situation de vie, eh bien, vous pouvez devenir une personne handicapée mentale. Vous avez eu un choc. On vous annonce un événement. Vous pétez dans la tête et puis vous devenez une personne handicapée mentale. On trouve des gens bien valides qui font des AVC et puis c'est fini. Voilà. Donc, au fait, nous devons tout simplement accepter ces personnes telles qu'elles sont et leur créer des conditions pour que ces personnes puissent faire autant que nous. Et donc, les questions de jouissance de droit, quand on ne peut pas ne pas mettre l'accessibilité, et je pense que le gouvernement s'y met pour l'école, par exemple, parce que quand vous n'allez pas à l'école, vous allez devenir quoi? Mais là, la sensibilisation nous amène aussi à dire aux parents que vos enfants handicapés peuvent devenir quelque chose. Et nous devons travailler là-dessus. Je pense que nous allons échanger beaucoup avec le ministre de la Communication pour faire des récits de succès de personnes handicapées. Okay. Et ça va motiver beaucoup plus les parents dans nos coins les plus reculés. Et pourquoi pas Lomé a dit, mais si ça n'est ainsi, mon enfant aussi, je dois tout faire pour qu'il aille à l'école. Et justement, parmi ces personnes vivant avec un handicap, les gens peuvent encore avoir en tête l'artiste Dieudonné Huila, aujourd'hui, qui fait de très belles choses, alors qu'il s'agit d'une personne vivant avec un handicap visuel. Exactement. Voilà. Il y en a plein au Togo. Il y a l'honorable Aoumezou, oui, qui est député à l'Assemblée nationale, qui est une personne handicapée visuelle. Voilà. Vous voyez? Nous avons fait la faculté avec des personnes aussi qui étaient en situation d'handicap visuel. Vous êtes bien sûr sur le www.radio.djena.tg dans votre émission L'heure du droit consacrée pour ce jour aux personnes vivant avec un handicap et la lutte contre leur discrimination et leur participation au développement de nos différentes sociétés. Alors, secrétaire général, qui sont ceux qui peuvent aujourd'hui agir contre la discrimination envers les personnes vivant avec un handicap au sein de la société? Bon, merci, monsieur le journaliste. Effectivement, la discrimination est un problème crucial. Mais pour résoudre ce problème, il faut en première ligne placer nos gouvernants. Ça veut dire prendre des décisions, bien des lois fortes, pour pouvoir lutter efficacement contre ce problème. En second lieu, nous pouvons voir les organisations, les ONG, qui doivent accompagner cet engagement de nos gouvernants. Et nous pouvons aussi interpeller les institutions et les entreprises à intervenir pour faire face et donner une place aux personnes handicapées. Et pour continuer, nous pouvons aussi solliciter les médias comme vous pour la sensibilisation et continuer par communiquer davantage sur ce problème. Et entre autres, il faut l'éducation, comme je viens de le souligner, à l'école. Dès le jeune âge, il faut que les enfants aussi comprennent que c'est des personnes comme eux qui ont droit à la vie, qui ont droit à tout comme eux. Et enfin, nous pouvons donner les institutions internationales ou organisations internationales. Oui. C'est clair. Et entre autres aussi les individus. D'accord. Alors, président Gracien Akapo-Numado, alors, aujourd'hui, quelles sont les personnes et les outils
que vous vous pensez au niveau du CADEF qu'on doit pouvoir mobiliser pour faire face à la lutte contre la discrimination envers les personnes handicapées au sein de la société togolaise et par ricochet dans la société africaine où ces appréhensions sont encore plus gravées. Merci. C'est tout le monde, hein, sans exception. Sans exception, le secrétaire général est parti des gouvernants. Moi, je veux partir des personnes handicapées elles-mêmes. D'abord. Parce que ce n'est pas facile d'être une personne handicapée. Parce que quand monsieur dit tout à l'heure, je vais bander vos yeux et vous demander de vivre dans cette situation toute la journée. Je pense que le soir, vous allez me dire que ça, c'est compliqué. Même pas le soir, après 10 minutes. et donc, à nous, personnes handicapées, je dis, ce n'est pas facile, mais il faut qu'on accepte. C'est le passage pour émerger, pour être épanoui. Il faut que nous acceptons notre handicap, d'abord. Et après, tout le reste va se faire. Et nous allons aider tous ceux qui nous entourent à lever les barrières qui nous empêchent de jouir des mêmes droits que les autres. Donc la personne handicapée est au cœur de ce changement de mentalité, de conception. Elle est et reste au cœur. Et en dehors d'elle, c'est la cellule familiale. Il y en a qui n'ont pas réussi parce que les parents n'ont pas du tout aidé. C'est les parents qui l'ont réduit à sa portion congrue. Et souvent, le métier des personnes handicapées, c'est les cordonniers que nous connaissons. Quand vous êtes... rigueur tapissier. Voilà, donc on vous laisse là et puis c'est fini, quoi. Vous voyez. Donc il faut que les parents puissent encourager ces personnes d'abord, parce qu'à la naissance, c'est au fait un sérieux problème pour les parents. Vous attendez une naissance, un nouveau-né, et puis bon, voilà, à la naissance, vous constatez que l'enfant a des déficiences. On est bouleversé. Comment faire? Qu'est-ce que je vais faire? On commence par s'interroger. Le temps à l'enfant est en train de grandir. Donc, il faut une prise en charge précoce de l'enfant par rapport à son handicap. Et c'est ça qui permet à l'enfant d'être autonome plus rapidement. Donc, c'est la cellule familiale. Ne nous paniquons pas parce qu'aujourd'hui, il y a des dispositions pour que toutes les personnes puissent s'épanouir, qu'elles soient une personne handicapée ou non. Et donc, quand nous avons la situation, référons-nous aux médecins, référons-nous aux spécialistes du handicap pour nous orienter et encourageons notre enfant. Il y a une honorable, je voudrais taire son nom, qui nous disait la fois dernière à son enfant, qui est devenu, parce que l'enfant n'est pas né handicapé, qui est devenu une personne handicapée, qui allait d'abord avec un fauteuil roulant d'abord, après sa maladie, ensuite avec deux béquilles, et c'est elle qui demandait à son enfant, mais à ce stade-là, tu peux laisser l'autre béquille. Vous voyez, elle l'encourage. Après, mais tu peux laisser deux, lève les béquilles voir. Et donc, l'enfant, du moins aujourd'hui, arrive à faire de petites distances sans béquilles. Donc, c'est que la famille l'encourage. C'est très important. Et notre communauté aussi, il ne faut pas avoir de regard, des conceptions comme quoi c'est l'incarnation des divinités, etc. Et il y en a qui en font des dieux dans leur maison, des personnes handicapées. Si c'était enfant des dieux, d'autres enfants des Satan. Ah oui, oui. Mais si seulement ça se passe comme ça, c'est bon. Mais en faisant de lui une divinité, c'est que il est mis à part.
Donc, l'enfant ne fait rien. Et on disait la fois dernière, il y a un enfant, on lui demande de prendre son assiette après avoir mangé, de laver. Et l'enfant dit, en hébreu, on me donne amour. Voilà. Parce on ne m'envoie pas. On ne m'envoie pas. Et il le dit avec un ton autoritaire. Pour dire que, et c'est comme ça à la maison, on prend l'enfant selon la coutume, cet enfant-là avec son type d'handicap, c'est une incarnation d'une divinité. Mais non, nous devons arrêter ça. Et faire de l'enfant un homme. Vous voyez? Et donc, on a dû travailler la famille d'abord, pour que la famille comprenne que, mais si vous faites comme ça, cet enfant ne sera pas utile à la société. Donc, il y a le travail de l'entourage. Et puis maintenant, le travail juridique, comme je le dis, par nos gouvernants, à tous les niveaux, au niveau local, au niveau, mais surtout au niveau gouvernemental, au niveau de l'Assemblée, où nous devons adopter, en adoptant toutes les lois, voir s'il n'y a pas de mesures de discrimination. Par exemple, on lance un concours et puis on dit que c'est les personnes aptes physiquement. Alors, apte physiquement, est-ce que c'est le physique? Il y a des fonctions, justement, où l'aptitude physique est nécessaire. Chez les militaires, par exemple. Oui, où tu... Voilà, quand, même si tu veux être militaire, oui, mais il y a des fonctions dans l'armée aujourd'hui qu'une personne handicapée peut occuper. Ils ont des services d'informatique. Ils ont des services spécialisés dans certaines choses. Des services financiers. Oui, ou une personne handicapée. Tu es militaire, mais jamais on te verra au front. Voilà, exactement. Vous voyez, et tu contribues. Donc, je crois qu'il faut que nous puissions évoluer en mettant cette disposition-là. C'est discriminatoire. Et donc, les lois togolaises, et je crois que beaucoup d'efforts se font déjà sur ce plan pour que ces lois puissent être inclusives. Et qu'il n'y ait pas des éléments qui discriminent. Je sais, quand on lance les concours, le dernier concours pour la fonction publique, mais pour que les personnes handicapées puissent obtenir un certificat médical, mais ce n'était pas facile. Les médecins disent non, qu'ils ne peuvent pas, parce que vous êtes une personne handicapée. Donc, et on a dû batailler pour que cela puisse se faire. Et donc, pour dire que, voilà, il y a encore des pesanteurs, mais progressivement, ensemble, et puisqu'il y a la volonté politique, je crois qu'on y arrivera. On doit se mettre tous ensemble en tant qu'humains pour lutter contre la discrimination des personnes vivant avec un handicap au sein de nos différentes sociétés. C'est très important. Ils sont aussi des personnes comme nous qui peuvent participer et participent d'ailleurs de manière active au développement de nos différentes sociétés. Alors, le CADEF, secrétaire général pour Edo Abloka, le CADEF, depuis un certain temps, lutte véritablement pour l'inclusion des personnes handicapées. Alors, si un parent qui nous écoute en ce moment ou une personne vivant avec un handicap nous écoute en ce moment et qui veut peut-être approcher le CADEF, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, pour approcher le CADEF, c'est simple. Bon, il faut nous contacter. Bon. Nous allons laisser nos contacts. Oui, vous pouvez les donner. Oui, ça ne nous gêne pas. Moi, on peut me joindre sur le 91 oui. 09 oui. 96 oui. 06. 91 09 96 06. Oui. Précédé, bien sûr, du plus 228 pour ceux qui sont à l'extérieur. Oui. Voilà. Ok, d'accord. Alors, Président, oui. Aujourd'hui, quel mot à l'endroit des parents, à l'endroit de la société, pour pouvoir encourager les gens à mener une lutte efficace et efficiente d'ailleurs, pour pouvoir permettre à la personne en situation de handicap au Togo de pouvoir jouer pleinement son rôle. Merci. La discrimination n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Surtout la discrimination fondée sur le handicap. Parce que les personnes handicapées font partie intégrante de la société et doivent, c'est un devoir citoyen de participer à la vie de la nation, à la vie économique, à la vie sociale, à la vie politique. Et pour y parvenir,
eh bien, la société doit créer les conditions pour lever tous les obstacles possibles et favoriser leur participation effective. Et nous lançons cet appel à tout le monde, à commencer par les personnes handicapées elles-mêmes, pour un dépassement de soi et à changer le regard par rapport aux personnes handicapées, par rapport à son handicap, pour dire que je suis un homme, je peux comme l'autre aussi. Voilà. Alors, Président, vous aviez évoqué à l'entame de cette émission le CADEF qui œuvre essentiellement à Goa, mais qui pense étendre ses activités sur le Grand Lomé. Alors, est-ce que dire qu'une personne handicapée, peut-être à Thiéville, ne pouvait pas faire partie du CADEF? Oui, justement, on est en train de s'étendre vers Zia aussi. Et donc, pour l'instant, ça va faire les quatre préfectures, oui. Notamment la préfecture du Golfe, À Guenivé, notre base, oui, et la préfecture de Zio et la préfecture de l'Avé. Ok. Et donc, c'est les zones que nous couvrons aujourd'hui. Et une personne handicapée, et nous sommes organisés par commune. Par exemple, quand vous voyez dans la préfecture d'Aguenivé, dans chaque commune, nous avons une base. Ok. Nous avons un délégué communal. Et donc, il y a des réunions qui se font au niveau commune. Et c'est ainsi que dans les zones où nous sommes en train d'aller aussi, nous voulons nous organiser ainsi. Parce que, vous voyez, la personne handicapée ne peut pas faire assez de distance pour aller à une rencontre. Et nous devons nous rapprocher du lieu d'habitation de ces personnes. Et c'est comme ça que CADEF s'organise. Donc, quelqu'un qui est à Gwezongo, il va là, à une réunion là-bas, au lieu de venir à Zangira. Okay. Vous voyez. Et notre siège se trouve au niveau du CMS et Lavagnon. Mais on n'est pas obligé de venir là. Et les chefs cantons, les CVD, le préfet, les maires, tous nous connaissent. Et donc, une fois que... Et il y a le service social de la préfecture aussi qui est décentralisé dans les communes. Okay. Et quand vous allez là, on nous trouve. Et je crois que c'est le même travail que nous allons faire au niveau de la préfecture du Golfe, AV et Zio, pour que nous soyons proches des personnes handicapées et que au niveau de la gouvernance locale, que nous attirons l'attention des autorités sur l'inclusivité des dispositions de développement. Et justement, sur cette question pour finir, vous êtes basé dans les communes. Est-ce que aux différents conseils municipaux ou bien aux différentes réunions de la municipalité, on vous fait appel pour pouvoir tenir ici compte de votre avis dans les prises de décision? On fait appel, oui. La fois dernière, quand la commune de Aguenivé 1 a présenté son PDC, oui. Eh bien, nous y étions. On nous avait conviés à ça. Et nous faisons partie, au niveau d'Aguenivé 1, du regroupement des OSC, connus dans la préfecture. Et au niveau préfectoral, le préfet nous appelle souvent quand il y a des situations pour voir comment on peut faire. Et donc, je crois que ça se fait. Mais il va falloir que nous-mêmes aussi nous allons beaucoup plus vers ces acteurs-là. Hein? Et donc, c'est un travail d'ensemble. Autant ces autorités peuvent nous appeler, autant nous devons aller vers eux. Parce que c'est nous qui sentons le plus, hein, le besoin pour une société beaucoup plus inclusive. Merci à vous, Président Kako Noumado Gracien. Vous êtes le président du Cercle d'Action pour le Développement des Personnes Handicapées, CADEF. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Pouedo Abloka, secrétaire général toujours du CADEF. Merci également à vous de vous être déplacé dans notre studio. Merci à vous aussi. Alors, la lutte contre la discrimination des personnes handicapées est une longue lutte et qui nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. C'est une
lutte à long terme et non à court terme. Et nous devons tous nous mettre maintenant à défendre les personnes handicapées, à lutter contre leur discrimination pour pouvoir avoir une société équitable et l'éthique au sein de nos sociétés. Portez-vous bien, je vous retrouve jeudi 11h pour une autre partie de l'émission L'heure du droit qui va aborder un autre pan de la question du droit dans la cité. Je suis Elie Atikbo.